Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda, alors ? Aucune idée. Papa, t'as vu ? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Hein ? Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. La chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de n'en rien abîmer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Un chandelier en bois. Cassé. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. De profondes fissures, faites par un objet lourd. Tiens, l'autre partie du chandelier et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'air Vélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. La piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi ? Je crois que j'ai fait le tour. Tu cherches quoi ici, vagabond ? Quoi ? Eh, hey, grison, t'as la tronche de quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir. Vous avez fini de fouiner ? Vous reconnaissez cette amulette ?
Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelque sorcière ou rebouteuse dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfuté, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par trois fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. C'est pas ce temps leur garde. C'est cette amulette qui m'intéresse. Huh?